Bonjour, bienvenue pour cette seconde vidéo de notre série d'apprentissage du C. Donc tout de suite pour commencer, une petite correction sur la dernière fois. Donc les include, c'est des chevrons. C'est pas des guillemets. Les guillemets, c'est pour les fichiers .h que vous écrivez vous. Et pour le moment, on n'a pas encore vu comment écrire des .h. Donc il n'y a aucune raison de mettre des guillemets. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je devais être fatigué, allez savoir. Mais en tout cas, c'est vraiment des chevrons. C'est une convention, les fichiers de lib, les fichiers... Que ce soit des libs standards ou des libs que vous utilisez vous, vous mettez des symboles chevrons. Voilà. Même si jamais, dans le cas présent, ça n'a dû rien changer. Ensuite, une seconde chose, vous auriez dû, vous auriez pu, vous auriez dû me demander ce qui se passe lorsqu'on divise un entier par zéro. Que ce soit un int ou des chars. C'est la même chose. Eh bien, déjà, première chose, si votre compilateur est malin et qu'il est capable de savoir que vous divisez par zéro, parce que. Si je fais ça, que je mets m égale 0 et que je prends 27 divisé par m, c'est tout de suite moins évident que 27 serait divisé par 0, parce qu'il faut savoir que m vaut 0. Bon, là, ça saute aux yeux, mais dans un cas un peu plus général, vous pouvez imaginer qu'on n'est pas certain de la valeur que prendra m. Ensuite, on compile. Donc là, vous voyez, le compilateur, il n'a pas remarqué. Si par contre, je divisais... Ah, excusez-moi. Si par contre je divisais directement par 0, ici, là le compilateur remarque et vous sort un avertissement. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, le problème est le même. Lorsque vous exécutez, que ce soit la version avec le 0 mis directement ou la version où je divise par m, vous divisez par 0, donc vous avez une erreur à l'exécution. Du moins pour les entiers, c'est le comportement. Voilà, donc ne pas diviser par 0, sinon votre programme crash. Encore une fois, pour les entiers. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Alors, ensuite, les fonctions. Allons-y. Donc, très vite, si vous commencez à faire beaucoup de lignes de code, vont apparaître deux nécessités. D'abord, la nécessité de pouvoir regrouper les lignes ensemble pour que ce soit plus lisible. Ensuite, le fait que vous allez devoir copier-coller énormément de fois les mêmes lignes. Et croyez-moi, en C, à partir du moment où vous commencez à faire copier-coller, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous vous y prenez mal. Très certainement, c'est que vous faites quelque chose qui ne va pas. Donc, pour justement permettre de répéter plusieurs fois les mêmes lignes de code, et pour pouvoir avoir un traitement qui change selon la valeur de quelques variables, on a ce qu'on appelle des fonctions. Des fonctions, on en a déjà vu à travers la fonction main que l'on a écrite, sans savoir ce qu'était une fonction, et la fonction printf que l'on utilise. Alors la syntaxe pour écrire une fonction, c'est type nom de la fonction, type argument 1, alors type 1 argument 1, virgule type 2 argument 2, virgule type 3 argument 3. Vous en écrivez autant que vous voulez, mais un nombre fini, hein. Faut quand même pas exagérer. Ensuite, des accolades et les instructions entre accolades. Donc, les quatre petits points, trois petits points ici signifient simplement que je répète le motif un nombre fini de fois, hein. Faut pas laisser les points tels quels. Par exemple, ça, c'est une fonction valide. Si j'ai mes type 1, type 2, jusqu'à type et type 3 et type 42, ainsi que type, sont des vrais types. Donc on peut créer ses propres types, mais c'est pas le propos pour le moment. Donc les types, pour le moment, on a int, on a char, on a unsigned int, on a unsigned char. Déjà pas mal. Donc par exemple, on peut faire une fonction d'addition. Donc, une addition sur les entiers. Alors, que fait une fonction d'addition? Bah, elle prend deux valeurs, et elle produit une nouvelle valeur entière. D'accord? Donc ce serait une fonction qui prend un int, argument 1, donc on va l'appeler A, un int B, voilà, et qui retournerait un int. Et on va l'appeler add, pour addition, voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? Bah, on fait l'addition, alors on veut prendre A plus B. Bon, mais le souci, c'est qu'après, il faut dire que je veux retourner cette valeur. Pour ça, on a l'instruction, excusez-moi, return. Donc on peut faire ceci, return de a plus b. Donc a plus b sera remplacé par la valeur numérique correspondant à l'addition des
des deux variables, et cette valeur-là sera retournée par la fonction. Donc en fait, on a juste enrobé le plus. Maintenant, il faut imaginer une fonction un peu plus compliquée que l'addition. Elle ajoute deux nombres et elle rajoute tout le temps 42. Allez savoir pourquoi, on a envie d'avoir une telle fonction. Donc on l'appelle add42. Et donc qu'est-ce qu'on doit produire? On doit produire a plus b plus 42. Je sais pas trop. Bon, pourquoi est-ce que Emacs a des problèmes de coloration? Ah, parce que ça n'a pas return, mais return. Oui, c'est mieux. Voilà. Et donc là, on a une fonction qui prend bien deux arguments, les ajoute, rajoute 42 et nous donne le résultat. Alors, on peut utiliser cette fonction comme on utilisait printf avant. Par exemple, on prend n. Dedans, on stocke l'addition avec la valeur 42 ajoutée de 10 et 20. Alors, je vous laisse faire votre calcul mental. 42 plus 10 plus 20, ça fait 72. Et puis, tant qu'à faire, on va afficher. Hein, ça peut servir de voir à quoi ça ressemble. Alors n de point espace pour 100d, et là on met n. Voilà. Alors j'oublie juste de vérifier que oui, on n'utilise pas, on a bien inclus un stdio. Et c'est parti. Voilà, on compile. Et on trouve bien la valeur 72 attendue. Voilà. Alors bien entendu, les types peuvent être différents. Par exemple, on pourrait avoir un int, un unsigned char. La fonction pourrait par exemple afficher un caractère en appelant à nouveau la fonction printf. Celui passé en argument, que ce soit un unsigned char ou un char, ça pose pas de souci. Et ensuite, retourner n plus 1 par exemple. Bon, jusque-là, nos fonctions sont d'une utilité quelque peu douteuse, mais pourquoi pas. Alors, show and add n z. On continue d'afficher la valeur de n après. Show and add. Hop. On compile. Ah, faute de frappe. On compile. On lance. Voilà. J'ai pas mis de retour à la ligne, mais on peut voir que le caractère c'est Z. Ici, il n'y a pas de retour à la ligne là. Et ensuite, on retrouve bien la valeur. Ah, excusez-moi, voilà. Je fais une bêtise. N égale 0. Et voilà, je commence à utiliser des variables initialisées, donc comportement déterminé. Donc maintenant, on a bien quelque chose de cohérent. 0 plus 1, ça fait 1. Voilà. Donc, ensuite, petite précision pour printf qui est une sorte de fonction qui prend plusieurs arguments. C'est un peu plus compliqué de faire ce genre de fonction-là. C'est assez rare d'en construire nous-mêmes, très rare. Généralement, c'est des warps de printf, c'est-à-dire que on appelle des fonctions du style de printf avec ces fonctions-là. Donc, c'est vraiment très rare de faire ce genre de fonction. Ça peut arriver d'en avoir vraiment besoin, mais on traitera ça plus tard, beaucoup beaucoup plus tard, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, encore un dernier pas et on pourra vraiment faire des choses un peu plus structurées, un peu plus construites, un peu plus utiles, un peu plus profondes. Ça va être les boucles. Donc vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on a vu les conditions, c'est quelque chose d'essentiel, mais c'est pas suffisant. Parce que il faut savoir décider quoi faire, mais il faut aussi décider de pouvoir répéter certaines actions un certain nombre de fois. Par exemple, tant que l'utilisateur n'a pas rentré la bonne valeur, insister et lui demander la valeur dans un certain intervalle, par exemple. C'est d'ailleurs tout de suite ce qu'on va faire. Donc pour faire ça, première chose, les entrées. Alors je fais un petit peu de ménage. Donc comment lire un nombre?
Donc n contiendra la valeur lue. À cet instant-là, n n'a pas de valeur précise. J'appelle la fonction scanf, qui doit être dans stdio, donc c'est bon. Je l'appelle avec le format de ce que je vais lire. Donc si par exemple je veux lire un nombre, vous vous souvenez qu'avec printf pour afficher un entier, on mettait %d. Donc là pour lire un entier, on mettra %d. Et ensuite, particularité qu'on comprendra un peu mieux plus tard, pour les entrées, il faut mettre le symbole espelette devant le symbole n. Et voilà. Donc c'est un peu mystérieux, mais vous allez voir très vite, on saura ce que ça veut dire plus en détail. Pour le moment, retenez juste que pour pouvoir modifier la valeur qui est dans n avec la fonction scanf, il nous faut mettre une espelette. Parce que oui, à chaque fois que vous appelez une fonction, en quelque sorte, enfin c'est pas tout le temps vrai, par exemple c'est pas le cas pour les chaînes de caractères, mais pour les types entiers et caractères tels quels, la valeur est copiée au moment de l'appel. Donc, je vais développer un tout petit peu ça avant de continuer. Int f, int a. Si ici je fais a égale 7, dans n je mets 0, j'appelle f de n et ensuite j'affiche n. La valeur de n sera toujours 0. F ne modifie pas n. F modifie a qui est une copie de la valeur qui était contenue dans n. D'accord? Ensuite, une deuxième chose, c'est que les variables ont une portée, un scope en anglais. C'est-à-dire que quand je suis dans un certain bloc d'accolade, la variable existe jusqu'à la fin du bloc d'accolade, et une fois fini le bloc d'accolade, la variable n'existe plus. C'est-à-dire que, hop, ici à ce moment-là, a est créé, là, sur l'accolade entrante, et hop, ici, a disparaît. Si je parle d'un autre a plus tard, c'est un autre a, ça n'a rien à voir, c'est plus le même a. Là, le n, il existe à partir de cet instant-là jusqu'à la fin de l'accolade. Voilà. Donc, revenons à nos entrées. Ce ne sont pas des moutons, ce sont des entrées. Oula. Tac, tac, hop. Donc, pour pouvoir modifier la valeur de n, on est obligé d'utiliser ce petit symbole, qui en fait a une signification plus profonde. Et donc allons-y tout de suite, après avoir lu la valeur, on l'affiche. On l'affiche toujours comme d'habitude en mettant la valeur. Avec un petit retour à la ligne. Et un peu de texte pour que ce soit plus clair. Donc le programme attend que l'utilisateur tape quelque chose. Si je tape 23, je tape entrée. Et là, la valeur 23 est lue et affichée. Alors si jamais on s'amuse à taper des trucs bizarres, genre par exemple du texte, parce que oui, il faut toujours avoir à l'esprit que l'utilisateur va pas rentrer la valeur que vous attendez. Il y aura toujours des gens pour aller venir vous embêter, ou pas comprendre vraiment ce qu'il faut faire, et mettre les mauvaises valeurs. Mais parfois intentionnellement, parfois non intentionnellement. Donc à vous de vous assurer que votre programme se comporte bien quand les valeurs entrées ne sont pas celles qui sont vraiment attendues. Par exemple, une chaîne de caractères. Donc là, la valeur numérique lue par scanf lorsque vous entrez du texte est considérée comme 0. Voilà, donc c'est bon de connaître ce comportement-là. Pof, pof, pof. Et bien voilà. Maintenant, on va passer aux boucles. Donc, on va faire une petite fonction qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre entre 1 et 3. Alors, donc c'est une fonction qui va retourner le nombre entré. Get nombre. Elle n'a pas besoin d'argument, donc on peut mettre void entre parenthèses ou juste deux accolades comme ça. Et donc on voudrait afficher l'utilisateur, entrer un nombre entre, on avait dit 1 et 3, inclus. Ensuite, on a besoin d'un entier n pour pouvoir lire la valeur. On récupère le nombre que l'utilisateur va taper en quelque sorte. Si c'est un nombre, si c'est une chaîne, sera converti par 0. Et là, on utilise ce qu'on a vu la dernière fois, les if. If n est plus petit que 1, alors on affiche nombre trop petit.
retour à la ligne quand même, hein. On est des gens civilisés. Oula. Sinon, nombre trop grand. Donc vous voyez, j'ai fait un copier-coller, donc jamais de copier-coller. C'est à prendre avec un petit peu de recul. Jamais copier-coller de code, mais du texte. Bah, je suis désolé, mais si la langue est un peu redondante ou les messages sont un petit peu similaires, il n'y a pas de mal à copier une chaîne qui va être différente. Voilà, sachant que les accolades ici sont en fait facultatives à partir du moment où vous n'avez qu'une seule ligne d'instruction. Donc souvent on lit ça. Pensez bien que si vous écrivez quelque chose comme ça, donc là bien sûr mon éditeur corrige, mais si vous écrivez ça ne veut pas dire que les deux lignes seront exécutées dans les if. Ça veut dire ceci. D'abord on teste ça, ensuite on affiche ça, et là ce else du coup n'a plus aucun sens. Donc une seule ligne, vous pouvez indenter comme ça, deux lignes, là il faut des accolades. D'ailleurs, bien sûr, comme d'habitude, hein, l'indentation n'a pas beaucoup d'importance, ceci aussi est valide, bien que moins lisible. Voilà. Alors, en fait, c'est pas tout à fait juste. Else, donc deux cas de figure, ou bien le nombre est vraiment trop grand, n plus grand que 3. Sinon, à ce niveau-là, donc là je mets un else, mais les deux sont comme entre accolades, hein. Ils sont au même niveau. Les deux lignes ici sont dans le else. Sinon, la valeur est bonne, et du coup, on peut la renvoyer. Si jamais on a échoué, on va dire que par convention, on va renvoyer 0. Donc on le note en commentaire. Si alors, retourne un nombre entre 1 et 3 ou 0 en cas d'erreur. Retourne. Bref, bon. On va pas s'attarder là-dessus. Donc ensuite, on va appeler notre fonction, donc n égale getNombre. On compile. On lance entre un nombre entre 23, 0, ah, nombre trop petit, 23, nombre trop grand, 2, hop, impeccable. Et donc là, on voudrait redemander à chaque fois que c'est pas bon. Donc là, on a besoin d'une boucle. Et c'est là qu'on introduit la structure while. La structure while, elle s'écrit while une condition, donc une valeur booléenne ici, bool, une accolade, un bloc de code, une fin d'accolade. Tant que la condition ici est vraie, on répète les instructions entre les accolades. Donc par exemple, si vous écrivez while 1, while true, hein, c'est pareil, hop, ceci est vrai, on exécute le code, on revient, ceci est toujours vrai, on exécute le code, et vous avez une magnifique boucle infinie, très utile. Bien que ça serve, hein, mais dans notre cas, ça ne nous servira pas. Alors, remarquez que la condition ici, pour qu'elle change, au cours du temps, il faut qu'elles dépendent de variables, variables qui pourront être modifiées entre ces accolades. Donc on y vient, la condition c'est tant que n, donc on va mettre n à 0, et tant que n est égal à 0, vous vous souvenez, c'est le code d'erreur de notre fonction, si on a 0, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à récupérer de nombre. Tant qu'on n'a pas réussi à récupérer de nombre, on demande un nombre, et on le met dans n. Alors que se passe-t-il? Bah, d'abord n vaut 0, donc la condition ici est vraie, donc on exécute cette ligne. Si jamais on a récupéré la bonne valeur, à la fin de l'accolade, hop, on reteste la nouvelle condition, et du coup n est différent de 0, puisqu'on a récupéré une valeur avec getNombre. Et donc on sort du while et on réapparaît ici. Si jamais la valeur est 0, ce qui veut dire qu'on n'a pas réussi à récupérer un nombre entre 1 et 3, alors la condition est toujours vraie et on recommence à exécuter la commande getNombre. Vous voyez que là, en fait, on a construit quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire sans cette boucle. Tant qu'une certaine chose n'est pas vérifiée, on recommence à exécuter une portion de code. Vous n'auriez pas pu faire ça à la main parce qu'il aurait fallu copier-coller en fait le code qui est dans cette fonction, mais un nombre variable de fois. C'est pas possible à la compilation. Voilà. Donc on peut tester, hein. Il faut toujours tester, hein. Alors entre un nombre 0, 34,
1, moins 7, moins 6, 2, voilà. Voilà. On y est. Et donc, comme promis, on va construire un petit jeu. Alors, le jeu est assez simple. L'ordinateur va choisir un nombre et vous devez deviner quel nombre en question. Donc là, il va falloir que je fasse appel à ma mémoire pour pouvoir vous donner le moyen de générer un nombre aléatoire. Et croyez-moi, ma mémoire, c'est pas vraiment ça. Alors, j'ai souvenir que la fonction qui permet de... Voilà, c'est ça. Donc, pour pouvoir avoir une fonction qui donne des nombres aléatoires, on va utiliser stdlib.h, qui contient les deux fonctions dont on va avoir besoin. Hop, on efface ça quelques instants. Ensuite, le nombre aléatoire, ce sera n. Donc on a besoin de générer une valeur aléatoire pour n. Pour ça, on peut utiliser random. Random. Manner random. Qui renvoie à long int. Donc on va faire un truc pas tip top, nous diront les probabilistes, les statisticiens, etc. Parce que bah on n'a pas autant de chances d'avoir les mêmes nombres. Mais c'est pas grave, c'est à peu près la même chose. Donc on va prendre un nombre entre 0 et 10. 10 exclu, donc 0 à 9 inclus. Voilà, en gardant le reste de la division euclidienne par 10. Donc le reste sera tout le temps plus petit que 10, il sera compris entre 0 et 9. Voilà. Alors, autre chose, avant d'appeler la fonction random, on a besoin de dire au système, parce qu'en fait, c'est pas un vrai générateur de nombres aléatoires. Il va créer une suite de nombres à partir d'un nombre précis qu'on va lui donner. Et pour ça, il faut que ce nombre précis change entre chaque exécution. Donc on va lui donner en fait l'heure, en quelque sorte, du système. Pour ça, on fait srand de time. Et on a besoin d'inclure time.h pour avoir la fonction time. Donc time va nous renvoyer un nombre qui correspond à peu près au moment de l'exécution, en millisecondes de mémoire, ou en secondes, je suis plus sûr. Et srand va utiliser ce nombre comme n'importe quel nombre, vous pourriez tout le temps mettre le nombre que vous voulez, ce qui vous permet d'avoir une suite de nombres aléatoires, mais tout le temps les mêmes, ce qui peut être utile, hein. Par exemple si vous utilisez ça pour générer des terrains ou ce genre de choses. Mais là on veut que ça change chaque exécution. Donc là on met une seed, une graine, qui dépend du temps. La graine sera le temps du système sur lequel s'exécute le programme. Et ensuite on génère un nombre aléatoire entre 0 et 9. Donc on va modifier légèrement notre fonction getNombre pour qu'elle récupère un nombre entre 0 et 9. Voilà. Et donc on affiche le texte deviner un nombre entre 0 et 9. Voilà. Donc, temps. Donc, on va récupérer le nombre entré par l'utilisateur par user number. While, donc, user number égale 0. While user number est égal à 0. Donc tant qu'on n'a pas réussi à récupérer un nombre, get nombre. On récupère ce nombre. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ce nombre, on teste. Si jamais le nombre donné par l'utilisateur est bien le bon nombre, bravo! Vous avez gagné! Alors, il faut l'afficher, donc printf. Sinon, ha, vous avez perdu. On compile, on trouve les erreurs. Too few arguments, function time. Voilà, vous mettrez un 0. Ne demandez pas pourquoi, si vous êtes curieux, man time. Man 3 time. Hein. Voilà. Pouf, pouf, pouf.
Voilà, entre un nombre entre 0 et 9, moins 6 parce que je vais embêter tout le monde. Ah, nombre trop petit. 43. Ah, nombre trop grand. 7. Ah, nous avons un souci dans notre programme. Oula. Oulala. Bon. Ces choses arrivent. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré le nombre, mais le nombre, je ne le stocke pas dans UserNumber. Donc UserNumber reste toujours à 0. Alors la petite boucle là que vous avez vue, le truc dégueulasse, c'est parce que j'ai rentré autre chose que des nombres. Et du coup, il lit la chaîne de caractères à chaque fois, il lit 0, il s'arrête de lire devant le début de la chaîne. Ah bon, ça donne des trucs un peu bizarres. Voilà, haha, vous avez perdu. Donc statistiquement, voilà, si je continue de répéter 6, au bout d'un moment, je vais finir par gagner. Donc là, j'ai gagné. Je recommence. J'ai encore perdu. Ah, j'ai gagné. Bah, disons que j'ai de la chance aujourd'hui. Ouh, et beaucoup de 6. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. On peut rajouter, printf, le nombre à deviner était. Et là, on affiche le nombre que l'on devait trouver. N. Histoire de. Voilà quoi, on triche pas quoi. Je sais pas, 4. Ah, le nombre à trouver, c'était 3. Eh ben non, ce coup-ci, j'ai perdu, le nombre à trouver, c'était 9. Voilà. Donc j'espère que ce petit cours vous a plu. Donc la prochaine fois, plus de types, plus de structures. On verra des boucles un petit peu level au-dessus. On verra des ifs un peu plus level au-dessus. Et on verra les nombres à virgule. Et peut-être d'autres choses. Voilà, bonne journée à tous!